Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Glougloultar pour la 12e ronde du Bronze Tournament 3 dans le cadre de la saison 6 des KTA. La draft m'a amené à jouer Eneripsa, Ekaflip ou Jhinak contre Osamodas, Sadida et Nutrof. J'ai choisi de jouer l'Eneripsa Aura, l'Ekaflip Feu et le Jhinak Air. Je vous commande ce match en différé. Bon, là, le plan est très simple. C'est full rush évidemment contre cette compo. Il faut que je casse la distance avec le Sadi qui peut poser son jeu, le Samodas pareil, le Nutrof qui peut me maintenir à distance. J'ai trois classes invocatrices en face. Le combat s'annonce très sympathique. Évidemment, donc je regarde un petit peu les modes. Bon, évidemment, quand on voit cette compo, on pense tout de suite à du Sadi O, Enu R, Osamodas Terre avec le retrait PA des Bouffetous. Pour proc, évidemment, les effets déclenchés sur le retrait PA. C'est pourquoi j'ai été attentif à mettre pas mal d'esquives sur mes modes. J'ai des restes distance sur l'Ekaflip et l'Eneripsa. L'état infecté qui proc direct sur le J, en vrai, ça va, c'est pas trop violent. La map est un peu compliquée. Bon, déjà pour le Sadi, il peut pas full infecter, mais elle est quand même assez grande. Pour moi, ça va s'annoncer assez compliqué. Donc là, je me dis, il faut vraiment avancer au taquet, au taquet, au taquet, au taquet. C'est pourquoi je claque directement mon mot de ralliement. Je me dis, plus vite je le lâche, plus vite je le récupère. Il faut vraiment que, idéalement, dès le tour 2, je puisse commencer à faire des dingueries. Et je me dis, je vais peut-être passer ma vie à full debuff tout le monde. Et là, je fais un misclick. Je voulais debuff et pas régène. Bon, c'est pas tellement perdu. Je me dis, je vais mettre le Galva T2. Ce sera plus simple. Ça me permettra peut-être de spammer les debuffs et de mettre le Galva, surtout quand j'aurai cassé la distance en fait. Donc Lenny, je pense que j'ai plutôt bien réagi dessus. En plus, j'ai approché Louginac avec la ceinture de servitude. Bon là, en termes de ligne de vue, Lenny, il fait un peu ce qu'il veut, mais il n'a pas grand-chose à faire. Pour l'instant, il n'y a pas trop de... Pas trop d'état infecté, autre, il a pas la PE pour monnaie sonnante. Hein. Monnaie sonnante, c'est 6 PO. Ok, ça met des pellorifères, le retrait qui passe pas. Là, c'est un peu un tour à vide hein, pour les nuits. L'appel, cela dit, est bien joué. Bon, c'était un peu obvious. Est-ce que j'aurais pu m'arranger pour faire différemment? Peut-être avoir une entité derrière Lenny. Bon, je vois pas trop comment j'aurais pu faire. J'avais pas tellement les PA pour poser une cavotte, mais bon. Quoique, ouais, en vrai, j'aurais peut-être pu mettre Kawotte. Hein. Si j'avais pas fait le fail mode régène sur Lugie, et que je l'avais pas boosté, que j'avais mis un boost en moins en tout cas, j'aurais. Peut-être que ça aurait été intelligent de mettre une Kawotte derrière moi, bon, ça se discute. Là, ce qui est bien, c'est que je set up un pistage pour Luginac, qui pourra pistage Lenny, donc ce qui va le rapprocher. Lui et Lenny. Là, vraiment, c'est du full rush. Hein. Avec les cages, je viens directement poser l'érosion. Les dégâts qui passent plutôt bien sur Lenny. Bon, évidemment, c'est plutôt le Sadi que j'ai envie de focus. Parce que le Sadi, il va vraiment en V3 sinon. L'Osa qui ramène les nuits un peu en retrait. Il a bien raison, vu qu'il a pris l'héros. Là, avec Lugie, ouais, j'ai bien envie de full pistage Lenny. Le problème, c'est que si je fais ça, j'aurai pas assez de PA pour poser l'état proie sur le Sadi. Quoique. Ouais, non, non, c'est pas jouable. Ah, attendez, j'ai un doute. Attendez, je compte. Ça me fait 1, 2, plus une libé. Ouais, si, j'aurais pu double pistage, Lenny, libé Lenny, et aller poser la proie sur le Sadi, je crois que ça passait. Du coup, je choisis de faire un tour relativement similaire à base de pistage sur le roquet. Mais objectivement, j'aurais probablement mieux fait ouais, d'y aller par l'autre côté, et ce qui aurait vraiment eu l'avantage d'avoir ramené Lenny dans la mêlée, quoi. Bon, le roquet, je me dis, ce sera intéressant pour clear les invoques. Il prend un vilain coup de crocobure, ça c'était un peu sad. C'est assez souvent hein, quand on met des coups de crocobure à ses invoques, c'est pas spécialement voulu, j'aurais peut-être pu anticiper ça. Le Sadik, il n'est pas taclé par le chien. Qui me remet l'état infecté sur les cas. Normalement, il n'y a plus qu'un tour d'infection sur Lugie puisque je l'avais debuff. J'ai été attentif à voilà, ne pas me faire triple infecter trop vite, trop facilement. Principe, je suis censé avoir des esquives PM à peu près correctes. Bon, ce qui est bien, c'est que maintenant que Lugie a mis son état proie sur le Sadida, je vais pouvoir le flair à peu près à tout moment.
Et ça va quand même bien me changer la vie. Je suis vraiment là à ce moment-là, je suis vraiment choqué que le triant se soit lançable tous les tours. Hein. Depuis, bon, je me suis rendu compte que c'était effectivement ça. Mais je trouve que le triant tous les tours, c'est vraiment de l'abus. Que ce soit lançable chaque tour, ça me surprend un peu. Et franchement, au moins une fois tous les deux tours, bon, bref, peut-être. Je lâche enfin mon mode Galva, puisque là je vais vraiment commencer à y aller. Du coup, j'ai envie de rebooster tout le monde. Allez, je lâche en mode full cassage de distance. On approche, on approche. J'ai envie de pousser l'arbre aussi. Il faudrait que je replace les boosts sur les cas, puisque je viens de le debuff. Là, bon, je le retire à la servitude, c'est un peu bête. Servitude, j'ai pas beaucoup joué avec, donc j'oublie parfois de calculer l'attirance. Faire de la tyrannie en fin de tour. Bon, ça change pas grand-chose, j'aurais pas fait grand-chose de plus avec mon PA. Et là, la retraite, c'est parti. C'est vraiment du gameplay, on se régale, on se régale. Mais ça m'a pas mal surpris parce que le first pick au ça, c'est assez rare quand même. Là, je réfléchis un peu à comment je vais y aller. J'ai hésité à mettre la roulette vers le bas pour double audace, mais ça me mettait à 6 PO du Sadi. Et c'est 5 PO pour le Miaouche, malheureusement. Donc là, bon, moi, c'est bien joué à la retraite de l'ennemi parce que là, j'étais en retour d'Odora, c'était une dinguerie. Parce que j'aurais mis le nombre de PA que j'avais. Et je me dis, bon, allez, on pose les chatons. Il faut absolument que je puisse poser l'érosion sur le Sadi. Donc là, je suis quand même relativement satisfait parce que je fais pas un tour à vide, j'arrive à lui poser mon héros. Ce qui est dommage, c'est que là, le chaton, il est vraiment dans le tas. J'aurais mieux fait de faire dans l'autre sens, chaton puis roulette, pour que le chaton soit un peu plus isolé au-dessus. Et qu'il puisse peut-être tanker un peu plus, parce que voilà, là, il se fait clear instant. Ça aurait été mieux dans l'autre sens. Là, je me dis, bon, il va sûrement encercler le Sadi pour éviter le flair. Et là, je vois qu'il fouet, du coup, ça me surprend un peu. Bon, ça commence à tabasser un peu. Des dégâts plutôt convaincants là, qui sortent de la part du Tofu, sachant que je suis quand même en bouclier res-air et tout, donc je suis censé être assez tanky. Là, je suis content d'avoir le petit arbre pour pouvoir prendre le stack de rage sur le logis. Je me rends compte que. On va pouvoir peut-être faire des trucs. Ah, je parlais du flair, my bad, je suis en pesanteur en fait. Hein. Donc, le flair, on oublie. On oublie complètement le flair. Du coup, j'en profite pour full clear les arbres. C'est dommage. En fait, limite, c'est presque embêtant que j'ai posé la proie T1. Parce que là, j'aurais pu stacker les carcasses de fou sur les arbres. Ça aurait été bien mieux. Bon. Ce qui est marrant, c'est que du coup, à chaque fois que je tape, ça fait avancer le roquet vers le Sadi. Je vais pouvoir le taper au final. Et je m'enlève un état de rage pour pouvoir doubler ro après un flair au tour suivant, éventuellement. Bon, c'est compliqué quand même, hein. Vraiment, la compo qu'ils ont, j'aurais peut-être dû gérer la draft autrement. Est-ce que ça vaut le coup de ban de l'ennemi quand il y a un sadique épique pour éviter d'avoir la synergie Malévaudou, monnaie sonnante? En vrai, pour l'instant, le combo là, je l'ai pas énormément vu, et je crois que la seule fois où je l'ai vu, j'avais réussi à gérer sans trop de soucis. Mais ça peut quand même être très très vite dangereux, quoi. Et là, les triants chaque tour, c'est en train de me détruire psychologiquement. Et l'air de rien, les K-flips qui tombent, enfin qui commencent à tomber assez bas en PV assez vite. Hein. Je suis à 2000 là. Les dégâts vont commencer à se stacker de façon assez inquiétante. Là, il attire mon ennemi, c'est bien vu. Et là vous voyez le mode ralliement du coup que j'avais été attentif à utiliser T1 pour le récupérer T3. Donc là je peux le remettre, ça c'est plutôt pas mal. Et là je me dis bah go, on va pouvoir soigner les K. Grâce au sort haut, évidemment, je me rends compte que j'aurais peut-être mieux fait de partir vers la gauche plutôt que vers le bas. Ce qui m'aurait permis de taper l'arbre et du coup de faire encore plus de soins. Mais du coup, voilà, je clear l'arbre ici, c'est pas mal non plus. Ah, pour l'instant, moi, je joue pas, hein, c'est vraiment le problème. Ce qui est pas mal, c'est que là, l'arbre, il casse la ligne de vue sur les K-flips. Mais l'ennemi n'est pas en pesanteur. Mais il est quand même un peu embêté, là, pour venir me chercher. Et l'appel des anciens, je suis assez surpris de voir cette variante. Quoique, attendez, c'est le sort O, l'appel des anciens. Oui, non, du coup, c'est bon, j'ai confondu avec le sort R qui pousse là, mais c'est pas ça. Ok, ouais, non, c'est fine, c'est fine. Encore une fois, il a pas la PO là de mettre sa monnaie sonnante. Donc
Donc on voit qu'il réfléchit un peu, ça cherche son tour tranquille. Je suis surpris de le voir spammer les pellorifères. Il a l'air d'avoir des dégâts assez corrects en plus. Donc il doit avoir un mode OR bizarre, Lenu, je sais pas trop. Toujours est-il que là, Laika, il est un peu embêté, mais en vrai, il n'y a pas d'héros. Hein. C'est ça qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'héros en face. Moi, j'ai quand même Eni, Uji et K. T'as envie d'héros des contre ça, quoi. Donc là, moi, je vais tout de suite chercher le clear sur le Bouffetout, en prenant un peu de soin. Objectivement, j'ai passé le plus dur du combat, là. J'ai aucun perso qui est dans la giga sauce non plus. Là, je vais prendre les zones pour clear. Je me mets pas la roue de la fortune parce que je me dis, je vais passer ma vie à me debuff tout le temps, en fait. Hop, du coup je me fais un tour défensif en tapant le Sadi, en prenant des petites zones. Franchement c'est fine. Puis j'ai été attentif à vraiment blinder les raids OR sur tous mes persos. J'ai un peu moins de rester par contre. Et là, en fait je comprends un peu mieux le mode de l'ennemi, c'est qu'en fait il proc à la fois les dégâts sur retrait PA et sur retrait PM. Donc là c'est vraiment du full proc. Il y a à la fois la Vaudou qui tape feu haut sur retrait PA, retrait PM. L'ennemi qui tape air haut sur retrait PA, retrait PM. Et l'Ossa qui fait du retrait PA et du retrait PM. Enfin vraiment la synergie de leur compo c'est une dinguerie. Là ils sont arrivés à la limite de déclenchement de proc par tour. Donc ça me met pas de dégâts. Et là, enfin, mon plan va pouvoir se mettre à exécution, c'est-à-dire pouvoir flair peut-être. Et puis là, je vois les tofu qui, qui viennent coller le Sadi, je me dis, ah bah non, en fait, pas du tout. Donc là, le plan est très simple, c'est il faut tuer le tofu pour libérer la place. Grâce au chien, ça devrait pas être trop compliqué. Ce qui me permet de relancer la proie sur le Sadi. J'adore Ruginak, hein, c'est un gameplay que j'adore énormément. J'ai beaucoup joué. Donc là, bon, je peux pas l'éroder. Bah, il a quand même le double miaouche là, donc il est érodé. Il prend en plus l'ébène du coup, donc c'est un tour vraiment full opti sur Logi. J'ai clear le tofu piqûre, j'ai boosté mes carcasses, j'ai posé mon ébène, je mets mon coup de crocobure. Le Sadida est taclé. Je me décale pour les infections. Elle a Sadi de 2000 PV, ça se détacle le tremblement est bien vu. Bon, Leka il prend un peu cher, mais là il y a Lenny, il va pas avoir grand chose d'autre à faire que de leur mettre full PV. Alors, le problème c'est que comme je passe ma vie à me debuff, je perds aussi un peu plus facilement les états stimulés, donc pour les modes solidarité c'est un peu moins fort. Bon, la gonflable qui commence à être embêtante là, ça met un paquet de PM. En fait, il faut surtout pas que je les laisse réinstaller de la distance. Et là, je vois qu'ils sont en train de s'enfuir vers le haut. Le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'obstacles. La map, elle est pas évidente. Hein. Là, moi, je viens tout de suite chercher le debuff. Le soin. Là, je veux pas mettre l'apnée. Enfin, j'hésite un petit peu parce que je sais que ça met un malus de soin. Mais en même temps, j'en ai besoin pour lâcher le solidarité. Là, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de choper quand même un peu des zones par-ci par-là? Bon. Le Solida qui part. Là, le fracassant sur le Bouffetout. Encore une fois, hein, je fais le mot de frayeur pour se faire réattirer juste après. Le fracassant sur le Bouffetout, c'était pas ce qu'il fallait faire. Je pense pas que c'était un misclick, c'est juste que j'ai pas pris la bonne décision. Fallait évidemment doublement interdit pour prendre le soin en zone. Ce qui m'aurait soigné Leka et Lenny. Donc petit misplay ici sur le choix de sort. Lenny qui continue évidemment à se régaler. Orpaillage monnaie sonnante, c'est reparti. Bon là je joue sans le mode silence sur Lenny parce que j'ai fait un mode sans retrait PA je crois. J'ai pas du tout de retrait. J'ai dit que j'avais un mode haut retrait PF sur Lenny, mais en fait non, j'ai pas mis de retrait du tout. Il est haut full tank. Du coup, j'ai préféré le sacrificiel en me disant comme il n'y a pas d'érosion, ce sera plus rentable sur le long terme. L'appel qui sait pas trop quoi faire, à la limite ça m'arrange qu'elle ramène le chien.
Mais le chien est mort en fait pour le retour du Thor, donc ça c'est un peu triste parce que ça, là il se serait régalé dans les invocs. Je viens tout de suite chercher le clear de la gonflable. Alors pourquoi le Sadie a encore les PM? Aucune idée. Est-ce que c'est les PM de la gonflable ou est-ce qu'il y a eu un autre boost PM qui a été mis dessus? J'ai un doute. Là, ouais, là j'avais envie de mettre la tromperie, mais je voulais prendre la zone pour péter le tofu. Malheureusement, j'ai pas crit donc ça a pas kill et je voulais quand même mettre un coup d'héros sur le Sadie. Le nombre de lignes de dégâts à chaque fois qu'ils me font un petit truc, c'est quand même assez ouf. Hein. On voit passer toutes les couleurs dans le chat. C'est vraiment sympa comme match. Je trouve l'ossa comme ça, c'est hyper impactant. Ça continue à me repousser. Heureusement, j'ai le mode solidarité qui me soigne un peu en multi-cible. Il faut que j'ai une capacité de gérer en multi-cible, hein, vu que là, je me fais défoncer en multi-cible avec les différents retraits, les invoques et l'état infecté du Sadida. Comment ça s'appelle déjà? Le mot sacrificiel, qui fait un peu comme une perfusion de sacrilleur, me permet de soigner mes alliés quand il y en a un qui prend des dégâts. C'est pas trop mal. Là, objectivement, avec Lugie, je remets les états proies sur le Sadie et tout, mais je me demande si j'aurais pas mieux fait de pas du tout mettre les états proies sur le Sadie et juste les garder tout le temps pour clear toutes les invoques à la carcasse. Parce qu'une fois qu'on commence à vraiment stacker les carcasses, après on one-shot toutes les invoques et ça fait que pour 3 PA, je one-shot les invoques en reprenant tout le temps, tout le temps, tout le temps de plus en plus de dégâts. Franchement, il y a moyen de faire des trucs. Hein. Là, j'ai envie d'attirer le Sadie. Ce qui me fait en plus prendre mon ébène distance en principe. Ah non, pardon, il était posé autour d'avant, j'ai rien dit. Du coup, je fous l'héros. Bon, petit tour sympathique sur l'Ougie. Encore une fois, la crocobure, le double tacle. Bon, j'aurais aussi pu choisir d'aller tuer la musette. Je me suis dit, en vrai. On est parti sur un combat sur la durée, je peux juste taper bêtement sur la musette, ce sera ok. Bon, là, faut la tuer instantanément, évidemment. Lugie, les dégâts qu'il prend, ça me préoccupe absolument pas. Évidemment, c'est un Ugina, ça va jamais mourir. Même s'il est en crocobure, il n'y a pas trop de soucis. Là, c'est plutôt Leka hein, qui se fait bourrer. Là, je regarde comment je peux tuer le bouffe-tout. Évidemment, ça crit pas, je suis abattu, mais je me dis de toute façon, voilà, un mot de frayeur et je le tue, dans tous les cas. Là, il faut absolument que je puisse remettre les boosts sur Lugie. Je veux aussi venir soigner les cas. Je me demande si je ne suis pas encore fail. Là, je pense que je voulais debuff l'infecté. Et là, j'ai pas. Ouais, j'ai fait un tour foireux là, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas debuff l'infection sur les K-Flip. Et surtout, j'ai pas boosté Lugie. Bon, je voulais absolument tuer la folle, mais j'aurais pu faire un tour. Oups, pardon pour ça. J'aurais pu faire un tour bien meilleur que ça. Les nus, on sent qu'une fois qu'il a mis ses monnaies sonnantes, ça sait plus trop quoi faire. Il pourrait quand même faire des abattements, objectivement. Mais il met ses pellorifères. Ouais, le retrait qui passe modérément. Les abattements. Bon, il a pas l'air d'avoir de retrait, les deux. Hein. Je pense que c'est juste pour proc full dégâts. Là, faut quand même que je fasse vraiment gaffe à mon Eka Flip. Là, j'ai l'impression qu'à ce stade du combat, je suis un peu négligent sur les infections, objectivement. Non, c'est bon, je regarde quand même. Là, l'appel, ouais, s'il me pousse vers le haut, il m'en. Ouais, ok, il vient me tacler. Parce que s'il me poussait, à la limite, il me remettait plus en sécurité. Là, je me suis dit, je peux soit faire un tour full rush pour me rapprocher du Sadie, mais juste, je vais pas pouvoir lui mettre beaucoup de dégâts. Soit je switch plutôt sur l'Ossa. Le petit tourien qui régale. Toujours pour tuer les invoques aussi, hein, c'est très important. Et je me dis, en vrai, j'ai Sadie focus principal et Ossa focus secondaire. Sachant qu'il a plutôt tendance à rester dans la mêlée. Et quand t'as Eka Uji sur la tête, bon, ça peut tomber assez vite. Mais encore une fois, là, les dégâts qui commencent
À s'accumuler, ça fait quand même beaucoup, objectivement. Mais je me dis, il faut pas que je panique et que je me protège trop, en fait. Parce que si je fais ça, je prends le risque qu'en face, ils déroulent leur jeu et que la game se termine absolument jamais. Là, j'hésite encore une fois à péter la malle animée ou pas. Enfin, la musette, pardon. Je me dis, je vais plutôt poser l'ébène sur le Sadi et le chien pour aller lui taper dessus. C'est peut-être encore discutable. Là, j'aurais pu me caler derrière l'ougie avec le chien. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Ça aurait empêché une libé. Bon, de toute façon, là, le Sadi, il est quand même un peu bloqué dans le placement, mais... Objectivement, là, j'ai juste à patrouille et je suis fine. Hein. Il faut juste que je fasse attention à les cases qui tombent pas. Mais à la limite, j'ai Lenny qui... Lenny et Kay, ils restent ensemble, ils font leur vie, et Logi, ils foncent dans le tas. Là, les infections, ok, ouais, j'ai pas trop mal géré les infections, en vrai. Il n'y a plus que Logi qui est infecté. Bon, y a eu quelques petites erreurs de gestion, de rotation de sorts et autres, mais globalement, j'ai une gestion du combat qui est plutôt correcte, une bonne lecture de la game, là. Je regarde encore une fois le fonctionnement du sort. C'est un sort que j'utilise pas beaucoup. Là, je fais gaffe à surtout pas lâcher le mot d'abnégation en début de tour. Et du coup, je vais mettre le mot d'abnégation en fin de tour pour optimiser le rock, c'est qu'il perde pas de DPS. Et là, du coup, c'est là que ça part en vrille. Je mets le solidarité sans avoir mis l'abné. Voilà, je me suis dit, il faut pas que je le mette en début de tour pour pas lui enlever du soin sur les sorts hauts. Et du coup, bah, il a pris un damné qui l'a tapé au lieu de le soigner, alors que là, il est repassé full PV quasiment sur le mot d'abnégation. Et donc là, je suis vraiment deg à ce moment-là, c'est quand même assez impactant. J'avais eu une gestion de combat plutôt correcte, malgré des petites choses, des petits détails que j'aurais pu mieux faire. Mais ça, c'est vraiment ce dont j'avais pas besoin, là, parce que leurs dégâts, quand même, ça commence à se stacker. Leur paillage, la monnaie sonnante qui sont replacées à nouveau. Là, bon, objectivement, avec les cas, je pourrais partir en mode assez défensif. Poser un chaton, juste clear. Là, je me dis, bon, en vrai, voilà, je single le bouffe-tout, je passe le kill. C'est toujours ça de pris, j'ai un chaton à poser. Là, j'hésite un petit peu. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je m'expose? Est-ce que je rush sur le Sadi ou pas? Est-ce que je mets... Ou est-ce que je reste un peu en retrait? Juste, je fais un truc défensif. L'odorat, évidemment, qui me proc la monnaie sonnante. Catastrophe. Voilà, le petit chaton qui vient. J'essaie encore de rester à 3 PO les entités les unes des autres pour pas trop me prendre de free infection. L'Ossa, vous remarquerez que ça fait plusieurs fois il commence son tour. Il a 0 invoque sur le terrain. Donc, j'ai plutôt fait un bon taf sur le clear de ses bouffe-tout, ses tofu et autres. Bon là, la corruption sur Lugie, elle est vraiment pénible. Là, c'est un tour où j'aurais eu envie de full burst le Sadi. Encore une fois, les dégâts, ils viennent assez vite sur les cas, quand même. C'est assez surprenant. On n'a pas l'habitude d'avoir autant de dégâts déclenchés. Donc c'est, j'alterne un peu entre je me dis, bah ça va, il est à peu près safe. En fait, il est pas safe du tout. En fait, ça va pas. Là, je me prends des morsures à 460, là, le bouffe-tout qui me défonce bien. Ça va que j'ai quand même bien focus les raids OR pour le combat, mais un peu moins les raids terre. Alors que c'était sûr que l'Ossa allait taper terre, objectivement, mais bon, après, on peut pas tout avoir non plus dans la vie. Bon là avec Lugie, c'est un peu embêtant. On a envie, j'ai envie d'aller soigner mon Eka, évidemment. Donc un férocité affection, c'est la base. Avec le pistage qui va bien.
Et après, bah, j'ai juste envie soit de double carcasse pour les stacks, soit de charogne pour l'érosion. Je me dis là, il est à 2000 PV max le Sadi. Objectivement, j'ai surtout envie de maximiser mes dégâts et plus tellement l'érosion, parce que là, il suffit d'un tour où j'arrive à bien burst et ça tombe. Et là, je vois l'Eka qui est assez bas en PV quand même. Là, je vous avoue, je commence un peu à m'inquiéter. Je vois la vaudou, l'herbe folle. Et ça passe le kill. Donc voilà, je suis complètement deg parce que bah, l'Eka n'aurait jamais dû mourir. Puisque, évidemment, il devait avoir un mot de solidarité en positif et pas en négatif au dernier tour de Lenny. Et vraiment, la petite erreur de lancer de sort avec le mot d'abnégation et le mot de solidarité sur l'Eka qui n'était pas stimulé, bah, ça le tue. Là, sinon, il restait en vie. Et puis après, là, j'avais l'autoroute vers le Sadida. Et je suis un peu deg de perdre comme ça. Voilà, bah, il faut être concentré sur les matchs, il faut pas faire ce genre de petites erreurs. Surtout que Lenny, c'est pas en plus une classe qui est très dure à jouer, c'est vraiment les états stimulés, c'est le seul truc à gérer. Sinon, voilà, j'estime que j'avais plutôt bien géré le combat. Là, en vrai, si juste il tombait pas, c'était une free win. Hein. J'avais juste à jouer un tout petit peu plus safe. Enfin, même pas, en fait, juste à pas miss sleep parce que j'avais encore plein de CD défensifs, j'avais encore la chance des cap flips, j'avais plein de trucs. Donc, un peu triste. La sensation que. Je considère ça comme un match gagné du point de vue de ma compréhension des drafts, de mes remises en question et autres. Mais bah, du coup, c'est une défaite pour l'erreur de mots de solidarité. Voilà, j'espère que ce match vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.